Bonjour à tous, c'est Sébastien, éducateur M10 au Rugby Club de Haguenau. Bienvenue à ce deuxième entraînement en mode confinement. Aujourd'hui, je vais être assisté de ma charmante et tendre épouse à la régie. Le petit blond, c'est quoi ton prénom ? Emile. En M10. Et le petit brun ? Léon. En M16. Voilà, donc on est parti pour une demi-heure d'exercice. À chaque fois, chacun des exercices sera divisé en un niveau 1, plutôt orienté pour les M8, M10, et un niveau 2, plutôt orienté pour les M10 qui ont déjà un peu d'aisance, et les M12, voire certains M14. S'il y a des M16 qui écoutent, ils sont les bienvenus, puisque même un M16, normalement, devrait être capable de faire ces exercices. Vous avez besoin, s'il vous plaît, d'avoir un ballon de rugby à proximité et une balle de ping-pong ou une balle de tennis. Voilà, ainsi que de l'eau. Et donc je vais vous présenter les exercices, à chaque fois il y aura un niveau 1, un niveau 2, à vous de faire comme l'exercice sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, je vous souhaite une bonne séance, et puis n'oubliez pas de rester connecté avec nous sur notre page Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, Instagram et sur notre nouvelle chaîne YouTube où vous retrouverez des vidéos. Tous les jours il y a des exercices et tous les samedis à 14h il y a également notre entraînement pour le DR. Voilà, ben, on est parti, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, on est parti. Donc on va commencer par un premier exercice où on va enchaîner avec des répétitions du gainage et des squats. Alors on se met debout les deux jeunes, voilà. Donc pour le niveau 1, le squat, on va bien se mettre droit, les pieds au niveau des hanches, on va lever les bras et on va descendre, on va faire une série de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On garde le dos bien droit, on les fait plutôt doucement. Pour le niveau 2, on va faire une série de 10, bien droit, les mains tendues et on est parti pour 10. Rapide, 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 rapide. Rapide. Voilà. Donc ça, c'est le squat. Et on va enchaîner le squat. Vous allez faire donc 5 squats, 10 squats. Et on va enchaîner dès que vous avez fini. Vous allez passer au sol. Toi sur les, en avant, sur les appuis et sur les avant-bras. Le dos doit être parfaitement droit. Et on va tenir 20 secondes. D'accord ? D'accord, Emile ? 20 secondes. Pareil pour toi, sauf que toi, tu te mets en appui sur les mains, comme en position de pompe. Et tu vas faire 10 touchés. 10 touchés d'épaule. Avec ton bras droit, tu touches l'épaule gauche pendant 20 secondes. 1. Tu le reposes. Tu enchaînes. 2. 3. 4. Alors tu es plus droit, plus droit. C'est prêt? Vous êtes prêts tous? Vous êtes prêts? On se relève, on se met en position de squat. On est parti pour 5 et on est parti pour 10. On va faire 3 rotations. C'est parti. 2. 3. 4. 5. Tu peux te mettre en appui sur les avant-bras. En appui sur les avant-bras. Allez, pour le niveau 2, on est en appui. Allez, on va toucher. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se remet en position de squat. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est sur les avant-bras, Emile. Allez, le dos bien droit, on tourne les jambes. 10. Pareil pour toi. Allez, descends les fesses, il faut descendre ses fesses. Et fais-le moins vite, moins vite. On a fait, baisse tes fesses, on a fait 10, on se remet en debout. Allez, c'est parti pour les squats. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et on est reparti en appui sur les avant-bras pour le niveau 1 et sur les mains pour le niveau 2. Fais-les plus lentement tes appuis. Allez, on se met droit et on le fait. 1, 2, Émilie, il faut que tu baisses tes fesses. 4, bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une dernière série. Allez, 5 squats. Ça fait 3 là déjà. Eh ben, c'est moi qui décide, c'est moi le chef. 5. 2, 3, il faut que tu baisses les fesses. 4, 5. En position sur les avant-bras. Baisse tes fesses. Allez, sur les. C'est parti. Sors la tête. Léon. Faut faire la planche. Là. Plus doucement. Plus bas. Plus doucement. C'est bon.
C'est bon, voilà, vous buvez un coup. Voilà, j'espère que la première série vous a plu. Vous buvez un coup, tranquillement. Voilà, on est prêt pour le deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, je vais m'en ressortir dans mes petits paquets. Là, on va enchaîner des exercices d'abdos et de pompes. D'accord ? Pour le niveau 1, on va enchaîner des pompes, mais sur les genoux. Je te mets en position de pompe, Emile, s'il te plaît. Sur les genoux. La pompe sur les genoux, il faut que l'ensemble du dos descende. Il reste bien tendu, bien droit. Encore. C'est sur les avant-bras qu'on bouge. Vous avez compris ? Donc ça, c'est une vraie pompe pour le niveau 1. Sur les genoux. Pour le niveau 2, on va se mettre en position de pompe normale, descend. Et tu vas m'en faire 10 aussi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice. C'est le premier exercice, c'est les pompes. Une fois qu'on a fait les... Oui, t'en fais aussi 10, ouais. Une fois qu'on a fait les pompes, on va se mettre sur les fesses. Ouais. En position... abdos. Pour Emile, ça va être le rameur. Lève tes jambes, elle touche pas le sol. Lève ton corps. Allez, tu mets les mains et rameur. 1, 2, 3, et on va en faire 10 aussi. Pour le niveau 2, ça va être le rameur, mais on va croiser. Le coude droit va toucher le genou gauche, le coude gauche va toucher le genou droit. Là, par contre, tu vas lever un peu ton haut. Là. Voilà. Donc, je vous montre pour le niveau 2, on est en face de vous. On est là, c'est 1. 2, 3, 4, 5. Attends. Ok. Quoi? Vous êtes prêts? Attends, je comprends rien. T'es mon fixe, comme tu es brun. Voilà, comme ça. Ok. Il faut que tu mettes la respiration. D'accord. Allez, on se met en position pour les pompes. Donc, Emile, t'es le niveau 1, t'es sur les genoux. Léon, t'es le niveau 2, en appui. On est parti pour une série de 10. C'est prêt pour les deux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se met sur les fesses. Voilà, position, on va ramer pour toi et on va ramener le coude gauche sur le genou droit. Comme ça. Voilà, et on est parti. C'est moi qui compte. 1, 2, 3, on commence à inspirer. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 secondes de récupération et on se met tout de suite, on se prépare pour faire la série de pompes. Et on va faire 25 rotations comme ça. Ça vous fera 250 pompes. Non, c'est une blague. C'est prêt, Emile? Ouais. Allez, on est parti pour 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. On se met sur les fesses. On se met sur les fesses, Léon. Voilà. Et on est parti pour une série de 10. À mon rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descend bien. 7, 8, 9. Et 10. Allez, 10 secondes de repos. Vous buvez un coup si vous avez envie. On se repose. C'est parti pour... vous êtes prêts? Bois un petit coup. Tu vas me tuer. Allez, on fait encore une série. On se prépare pour les pompes. Vous êtes prêts? Allez. Non, et oh, j'ai pas dit stop. J'ai dit allez. Non, j'ai dit allez, mais allez. Donc, on attend que j'ai dit stop. Stop. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, pour ceux du niveau 2 qui ont un petit peu de mal, parce que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas en moins de 10 pour travailler en condition physique, vous n'en faites plus que 5 pour la dernière série. Donc là, vous prenez 3 secondes pour vous mettez sur les abdos là. C'est parti pour les abdos, c'est parti, allez, traîne pas. Bien croisé, tu descends bien ton dos. Tu fais 15 exemples avant de commencer. Allez, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
secondes, 10 secondes, on boit un coup. Si vous avez besoin. Là, si et on va en faire une quatrième, on va faire une quatrième répétition. Ah. Parce que t'es pas encore assez rouge. Bah. Tu fais des exemples là. On arrête dès que t'es bleu. Ah. Ah. Allez, on se met en position de pompe, les gars. On se met en position de pompe. Allez, on se met en position de pompe. Allez, c'est la dernière. Donc pour ceux du niveau 2, on essaie d'en faire 10. On essaie d'aller jusqu'au bout. Si ça va pas, il vaut mieux les faire correctement, en faire un peu moins. C'est prêt. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On se met sur les fesses pour la séance d'abdos. On les fait correctement jusqu'au bout. C'est parti, on attend ton grand frère parce qu'il est toujours à la ramasse, ah bah. Pour éviter d'en faire un ou deux. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on a une minute de pause, on boit un coup, on se relaxe. Mettez-vous debout pour récupérer. On peut bouger un peu les jambes, on peut secouer les bras. Et on boit un coup. Suivez un coup. Et pour vous autres qui êtes à la maison, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. Si les parents, les copains qui s'entraînent avec vous sont en forme aussi, je l'espère. Mais vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez passer un bon week-end. L'agneau pascal, demain, il passera super bien. Là maintenant, vous allez vous munir d'un ballon. D'accord ? Ah, ça, c'est drôle, ça. Vous allez prendre chacun un ballon de rugby et on va se remettre debout, tout le monde. Donc vous pouvez vous enlever le tapis. Donc le premier exercice, d'accord, pour le niveau 1, on va montrer Emile. On va enchaîner, on va faire pendant 2 fois 45 secondes. Le ballon, il va être dans votre main et il va aller une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Mais très vite, sans quitter trop vos mains. Très vite, il n'y a aucun ballon par terre. Aucun ballon par terre. Ça, c'est pour Emile. Et pour Léon, on va faire la même chose, mais en faisant des squats. Montre-nous, Léon. Non, 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 il doit rester tout près des mains, tout près des mains. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? On est parti pour 45 secondes. C'est prêt ? On squatte, là ? Top. Secondes, on va aller à 30, ça va faire un peu long. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien pour toi Léon. Par contre Emile, maintenant la prochaine série, tu vas la faire pas en squat, mais tu vas descendre juste légèrement dans tes jambes. Le dos bien droit et il faut que ça aille plus vite. D'accord ? Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Et on va être reparti pour 30 secondes. Vous êtes prêts ? Et Emile, il faut vraiment que tu descendes dans tes jambes. Tu restes avec les jambes pliées. Léon, t'es prêt ? Top ! Descends un peu plus. Vous allez te tirer là un petit peu. Allez. Mets le dos bien droit. Voilà. Allez Léon, tu te rassures même pas. Tu m'as pris comme cobaye. Allez. Parce que toi, tu n'y arrives pas. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, top. Vous pouvez boire un coup, on va refaire une troisième série. Allez, on n'a que 5 secondes avant la troisième série. Ça va en régie ? Oui, la régie va bien. Allez, on reprend, même exercice, c'est prêt, Léon en position, descends bien, maintenant tu vas même exagérer, tu descends vraiment très bien, tu gardes le dos, je peux pas faire le 1 moi aussi, le dos bien droit, non, je peux pas le 1, tu fais les squats, quoi. C'est parti, top,
Plus vite, Emile, plus vite, et elle doit tourner. Allez, la balle tourne. Vous la vrillez, dans un sens et dans l'autre. Allez. Emile, t'es pas en train de pétrir de la pâte, elle va un peu quitter tes mains, oui. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est bon, vous pouvez poser le ballon, vous buvez un coup. On va faire un deuxième exercice de passe maintenant. On reprend, vous allez reprendre votre tapis. Mettez assis sur les fesses sur le tapis. Vous regardez la caméra, vous souriez, d'accord, vous allez être célèbre, vous serez sur YouTube les gars. Il est à qui celui-là? Donc là maintenant on se met en position, toi, tu vas tendre les jambes, tendues, serrées, tu vas te mettre assis, d'accord, et le ballon il va monter une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Il n'y a aucun ballon qui tombe, d'accord, et tu vas faire ça pendant 30 secondes. Pour toi Léon? La même chose. Avec les jambes levées. Avec les jambes levées. Alors mets-toi en position. Non mais, hé, tu remontes ton torse, voilà, comme ça. C'est ça. Et plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. D'accord? T'as compris, Emile? Emile, tu fais des vrillés que si tu as envie. Et pour vous qui êtes à la maison, si vous n'arrivez pas à vriller votre ballon, notamment pour le niveau 1, ce n'est pas grave. On l'envoie juste en l'air et on le récupère. On est parti. On fait deux séries. Pas à le vriller. On fait trois séries. On fait trois séries. De 20 secondes. C'est parti. Top. Plus haut, plus haut. On serre les jambes, on serre les jambes. Encore, encore les gars, c'est bien. Plus haut, Emile, plus haut, il faut l'envoyer plus haut. Top. On pose ses fesses pour le niveau 2. Est-ce que les abdos commencent à chauffer? Ça peut aller. Il y aura de la place pour le chocolat? Ouais. Ok, très bien. On est prêt? Non, 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 on boit après, on boit après. Deuxième série. J'ai dit on boit après. Deuxième série. Comme vous pouvez le voir, il m'obéit. C'est parti, top. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Eh ouais, ça commence à chauffer. Hein. Allez, 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 le ballon monte. Le ballon monte. Encore 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. 10 secondes de pause. Comment vont les abdos, Léon? Ça peut aller mieux. Pardon? Ça peut aller mieux. Ah ouais, mais dessous, sous la couche protectrice, il y a des abdos. Ouais, sous la couche. Sous la couche. C'est prêt pour la troisième et dernière série? Il y en a trois. Ah, bois un coup alors, si tu as soif. C'est prêt? Allez, on est parti. On est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Serre tes jambes devant, serre tes jambes devant. Allez, Léon. C'est simple, tu peux pas faire les deux? Non. T'as dit pour les petites deux. Allez, allez, allez. C'est bien, elle ne doit pas tomber. Allez, encore. Encore. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. Non, non. 0. Voilà. Vous pouvez boire un coup et on va passer au troisième et dernier exercice avec le ballon. C'est le quatrième. Voilà. Le quatrième, importe. Et c'est là. Vous êtes prêts? T'es prêt, Emile? Il reste 10 minutes. Hein. T'es prêt, Emile? Donc, premier exercice. On va vous le montrer. Alors là, comme à la maison, on est très bien équipé, qu'on n'a qu'une balle de ping-pong pour toute la famille, on va vous le montrer en deux fois. Emile, tu te lèves, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai cet exercice. Alors. On va faire premier exercice, Emile. Donc, le ballon de rugby, on le tient à deux mains, d'accord, ouais. Comme ceci. Et on va dribbler pendant 10 secondes et on doit toujours attraper le ballon. D'accord, okay. Ça, c'est pour le niveau 1.
Pour le niveau 2. En dessous. Pour le niveau 2, tu me donnes le ballon. On va voir si la régie arrive à le capter. On va, je te pousse pour que tu es devant la caméra. On tient le ballon de rugby d'une main, la balle de ping-pong d'une autre main. On envoie la balle contre le mur. Pendant que la balle part contre le mur, on change la, main, la balle de rugby de place. Et on récupère avec l'autre main. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. D'accord ? À chaque balle par terre, il y a 200 abdos. C'est la pénalité. Ok ? On va commencer. Donc vous, vous le faites à la maison, vous le faites tous ensemble. Ici, j'ai qu'une balle de ping-pong. Si certains ne savent pas quoi m'acheter pour Noël, il me faut des balles de ping-pong. Donc, et Léon, tu vas montrer le premier exercice et tu feras le deuxième. Donc, première rotation, tout le monde est prêt. On est parti pour 30 secondes. Top. Et tu peux aller plus rapidement après, si tu es à l'aise. Tu peux aller plus rapidement. Ah, mais le mur m'éblouit. Tu joues première ligne, toi, non? Ouais, mais elle est trop blanche. Donc t'as pas besoin des mains. Voilà. Allez. 200 abdos. Allez, 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 encore. Encore, encore. Derrière la caméra, il y a ta mère qui se fout de toi parce que tu fais tomber des ballons. Allez, on continue. Le mur m'éblouit vraiment. Allez, allez, allez. Et stop, on arrête. Voilà. On bouge les bras. Et maintenant. Donc pour, on va faire une deuxième rotation. Émile, tu vas te mettre face à la caméra et tu vas faire l'exercice pour le deuxième niveau. C'est parti. C'est parti. Ah ben voilà, là, il y a du niveau. Allez Émile, on continue. Ah ouais, c'est compliqué Émile. Hein. Mais elle est trop moche. Oui, allez, on continue. On continue Émile. Ok, c'est bien. Allez, encore, encore, encore. Reste là, reste là, reste là. Léon, on l'a vu les matchs. Allez, dépêche-toi, Emile, encore 5 secondes. Encore 5 secondes. Allez, c'est fini. Maintenant, on va en faire une troisième et dernière série. C'est beaucoup plus facile. Troisième et dernière série, on va voir si tu y arrives. On va voir si tu y arrives. Troisième et dernière série. Vous êtes prêts à la maison? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Emile, on va voir si tu as le niveau 2. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est il bien. Il a bloué le mur. Non. Tu joues première ligne, Emile, aussi, toi aussi. Hein. Ouais, ça se voit, ouais. Très bien. Allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, super. Ah bah oui. Ah bah, voilà. Ah bah, elle est compliquée, la balle. Hein. Un. Deux. Ok. Trois. Là, il est mou. Là, il est ok, super. 4. Super. Et on s'arrête. Ok, vous pouvez boire un coup. Vous pouvez boire un coup. Et on va pousser les tapis. Et là, maintenant, on va avoir besoin du mur. Ah, ça, j'aime bien. Pousse le tapis. On n'a plus besoin des ballons non plus. On pose des ballons. On pose des ballons. Là, c'est zéro. Et là, on... et là, on va faire tout le monde contre le mur. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour ceux qui sont à la maison. Ici je suis un tortionnaire donc je les fais bosser. Donc buvez un petit coup, reposez-vous, dégourdissez-vous les jambes, on peut les secouer pour qu'elles soient bien en forme. Et là maintenant on va faire, pour le niveau 1, ça va être, les deux exercices vont être pendant 20 secondes. Donc pendant 20 secondes, on va se mettre en position de chaise. Alors la position de chaise, c'est pas adossé au mur, mais c'est, on descend. On a 90 degrés ici. Et on a 90 degrés là. Les mains, on les met pas là. Les mains, on les tient là en l'air. Et on va tenir 20 secondes pour le niveau 1. Pour le niveau 2, on tient 30 secondes. D'accord ? Quand j'annoncerai que les 30 secondes, les 20 secondes sont passées, toi, tu as 10 secondes pour récupérer. Toi, tu continues. Au bout des 30 secondes, chacun se remet en position. Et on va commencer des fentes. Avant. Une. Deux. Et on va faire ça pendant 30 secondes. Et on fait 3 répétitions. La chaise, les fentes, une petite pause. Et on fait ça 3 fois. C'est compris? Allez, vous mettez en position contre le mur. En position. Et c'est parti pour 20 secondes pour les petits et 30 pour les grands. On enlève les mains, on enlève les mains des cuisses. Ça fait 5 secondes. Les mains du mur,
Il reste 3 voilà. minutes. Hein. Voilà, ça fait 20 secondes pour le niveau 1. On peut s'arrêter pour le niveau 1. Encore 10 secondes pour le niveau 2. Et tu as joué au niveau, tu as mode et haute blague, donc t'as pas mal. Allez, c'est parti. On s'arrête au bout de 30 secondes. Tous les deux en position. Et Emile, tu fais quoi là? C'est la pause ou quoi? Oui. Bah, t'as pas demandé. Et deux en position de fente. Une fois pied droit. On recule. Et pied gauche. Allez, c'est parti pour 30 secondes. 1. 1. Voilà, c'est bon. Pour le toit. Et toi, tu continues? Encore 10 secondes. Bye. C'est bon. Tournez. Voilà, vous mettez en position chaise. On peut secouer un petit peu. Maintenant, on va faire la chaise pendant 10 minutes. Ok. Non, c'est le même principe. 20 secondes pour le niveau 1, 30 secondes pour le niveau 2. C'est prêt, Emile? Combien de fois? C'est prêt, Emile? Descends plus bas tes fesses, Emile. Voilà. Et on ne se tient pas. On ne se tient pas. On met les bras là. Et on ne se tient pas. Descends, descends, descends. Pareil pour toi, Léon. Ouais, ouais. C'est parti. Ça ne bouge pas. Là, là, ça commence à travailler. Et normalement, s'ils sont très forts, on peut même s'asseoir. Le principe d'une chaise. Arrête de te marrer. Allez, tu t'arrêtes pour le niveau. On s'arrête. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Pas assis. Relève-toi. Et pour le niveau 2, on s'arrête. On se met en position tout de suite pour les fentes. Non, non, Emile, on ne fait pas de pause à chaque fois. Allez, on se met en position pour les fentes, Emile. Et maintenant, on va faire des fentes en arrière. 1. Voilà. 2. 3. Allez, c'est parti. 20 secondes et 30 secondes. 2. 3. Léon, tu peux le faire un peu plus vite, hein, tu n'es pas encore un grand-père. En même temps, il faut qu'on réfléchisse. Emile, tu peux t'arrêter, c'est bon pour toi. Voilà, très bien. On se remet contre le mur tous les deux. On se remet contre le mur. Allez, on se remet contre le mur, on est prêt. On est prêt. Tu descends et grand-père. Voilà. Toi aussi tu descends. T'es prêt? Top. Cinq secondes. Une seconde. Quinze. 1. Et c'est fini pour le niveau 2. On se fait une dernière série de fentes, toujours vers, cette fois de nouveau vers l'avant. On avance, on tient une quatrième fois. On est ensemble, on fait 1. On revient. 2. Allez, c'est parti. 20 secondes et 30 secondes. 2. Tu peux éviter de mettre tes mains sur tes genoux pour remonter, parce que c'est de remonter avec la force des genoux et des cuisses. Belle cuisse, Léon. Hein. Allez, allez, encore, encore, encore. Juste aller faire un petit point sur le temps. Ok, on est presque à la fin. Voilà, on a fini notre exercice, on a fini notre séance. Maintenant, on va faire une toute petite séance. Eh oh, c'est quoi là? Buvez un coup et après vous venez avec moi. Allez Léon, tu bois un coup, tu viens t'asseoir avec moi, on fait une petite séance d'étirement. Tu m'assieds à côté de moi. Tu m'assieds à côté de moi, on va mettre les jambes en tailleur. Léon, on met les jambes en tailleur, on met le dos bien droit, on tient ses deux pieds. Et on va essayer d'écarter, de faire descendre au maximum les genoux vers l'extérieur. Ça doit tirer un petit peu ici au niveau des adducteurs. On est prêt ?
Voilà, et quand ça commence à tirer un petit peu, on tient la position. Vous êtes bien? Ouais, ça vous plaît? Ouais, mais je peux pas descendre. À la maison, ça vous plaît? Ouais. J'espère qu'il y a un peu de transpiration. Mais moi, j'ai rien fait avec la chaleur de l'extérieur, il fait chaud. Voilà, très bien. Maintenant, on va étendre les jambes. On va étendre les jambes. Le pied droit, c'est celui qui est de l'autre côté que le pied gauche. Il va passer par-dessus la jambe gauche. Le coude gauche, il va passer à droite de la jambe droite. Ça fait beaucoup de trucs, ça. Hein. Et on va essayer avec le coude de pousser le genou. Et on va tirer. Quand ça commence à tirer un petit peu dans le dos, vous arrêtez. Vous tenez la position 3-4 secondes. Voilà, c'est très bien. On arrête tout doucement, on sort. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Le coude droit va à gauche de la jambe gauche. Et on fait la même chose. Ça a l'air vachement compliqué ce que tu fais, Emile. Je sais, je pense ouais. Que t'as... C'est... Tu peux poser une main au sol. Voilà, tu poses une main au sol. La main gauche, elle est au sol. Et on arrête tout doucement. Très bien. Maintenant, on tend les jambes. On va essayer de ramener le plus possible les pointes des pieds vers nous. Et si on arrive à aller les toucher avec les mains, on y essaye. Dès que vous sentez que ça tire derrière dans les mollets, alors Léon, fais-toi pousser les mains et essaye de toucher les pieds. Allez, on essaye. Quoi? On essaye de toucher ses pieds. J'étais petit aussi, j'étais... Et on lâche dès que ça commence à tirer. On va se remettre debout maintenant. On va se remettre debout. Là, on se met face à la caméra. La jambe droite passe devant la jambe gauche. On met les deux mains de côté sur les cuisses. On met les deux mains de côté sur les cuisses. Et on va essayer de descendre tout doucement jusqu'en bas. Quand ça commence à tirer sur l'arrière des jambes, dans les mollets, on s'arrête et on tient la position. Et on remonte tout doucement. On prend la jambe gauche, on la met devant la jambe droite. Et on fait le même exercice. On descend. Très bien. Et on remonte. Voilà, on est à la fin de notre demi-heure d'entraînement. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. C'est bien passé pour toi? Ouais. T'as aimé? Tu reviens samedi prochain? Ouais. Donc encore une fois, toutes nos excuses pour le live qui n'a pas marché. Ça doit être un problème de compétences techniques ou d'âge de celui qui est derrière le PC, c'est-à-dire moi. Mais en espérant que cette séance vous aura plu, la semaine prochaine, ce sera en direct avec un autre éducateur. Suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur notre chaîne YouTube et vous aurez toutes les informations quant à des exercices toute la semaine et les informations pour la séance de samedi prochain. À ciao, à bientôt, ciao.